Alors bonjour, ici Pierre5816 et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder au Springboard d'un iPhone 4 avec le setup de l'iOS 5. Donc comment bypasser le setup d'iOS 5 pour accéder au Springboard. Donc sans avoir de carte SIM, donc vous pouvez voir ici aucune SIM. Donc vraiment, on va déverrouiller comme ça. Donc on s'en fout de la batterie. Pas besoin de rien configurer, vous pèsez sur le Home button, vous allez dans Appel d'urgence. Donc ça va être une très courte vidéo. Par la suite, vous composez 112, vous faites le petit bouton vert. Ça va vous faire ça comme ça. Donc, on appuie sur le bouton Power. On slide pas, on fait juste annuler. Un petit truc va apparaître. On clique dessus. Voilà. On appuie sur le bouton raccrocher et on va pouvoir accéder au Springboard. Voilà. Donc, bien entendu, on peut pas accéder au multitâche, mais au, moi, je pense, au Notification Center parce que. Il n'est pas déverrouillé de la façon officielle, donc c'est juste une petite faille que j'ai vue sur internet. Donc c'était Pierre5816, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, de visiter mon site apple-tasy.fr et de télécharger une autre application iPhone. Merci, au revoir.